L'inspiration à l'origine du programme Vaisseau est née un soir après une conférence à laquelle on a assisté la Dr. Aggie Lee et la Dr. Deborah Siegel. Elles ont échangé leur expérience en matière de soins aux patients. Une de leurs préoccupations communes était que ces derniers ignoraient généralement les signes et symptômes des caries sanguins. D'après leur expérience, cette ignorance se traduit souvent par un retard dans le diagnostic et parfois par de mauvais résultats. Elles ont aussi constaté que le programme de lutte contre les AVC utilisait un acronyme efficace, l'acronyme VIT, pour aider la population à comprendre ou à connaître les signes et symptômes d'un AVC. Ils ont convenu qu'il serait formidable qu'il existe un acronyme analogue qui permettrait de se souvenir des signes et des symptômes de la thrombose. Un acronyme éclair et facile à retenir. Elles ont commencé à réfléchir et ont mis au point l'acronyme original en anglais CLOTS. Thrombose Canada a constaté l'efficacité de la version anglaise et a collaboré avec des professionnels de la santé du Québec pour en proposer une version française qui est le Vaisseau. L'acronyme original CLOTS comprend 5 signes et symptômes, soit les signes et symptômes les plus importants pouvant indiquer la présence d'un caillot sanguin. L'acronyme français a été conçu de manière à reprendre les mêmes signes et symptômes que celui de l'acronyme anglais. Les caillots sanguins peuvent se former dans les poumons, c'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, ou dans les veines des jambes. On parle alors des thromboses veineuses profondes. L'acronyme Vaisseau désigne les symptômes courants que présentent les patients atteints de caillots sanguins en vue d'inciter le public à savoir ce qu'il faut surveiller et à consulter un médecin en pareil cas.